d'améliorer. Le favori, c'est le Hongrois Daniel Gurta, médaillé d'argent sur le 100 brasses. Il a battu son record personnel en série ce matin en 2-3-25. Il devra se mesurer à ce Russe, Grigori Falco, 2-3-88 en série. Record personnel battu, il était 5e du 100 brasses, Falco. Le Danois Christensen à la 6, lui aussi a battu son record en série en 2-5-38. L'Espagnol Melquiades Alvarez, le numéro 7, qui détient le record d'Europe en 2-2-67, un record établi le 14 novembre dernier à Berlin. À la 8, le Autrichien Maté Unor, 2-6-17, record personnel battu en série. Enfin, la ligne 2, numéro 9, Akos Molnár, le Hongrois, 2-6-53, lui aussi a battu son record personnel à l'occasion des séries. Le tenant du titre, c'est le Français Hugues Dubos, qui n'est pas présent au départ de cette course. Il a déclaré forfait. Il est malade depuis le début de ces championnats d'Europe en petit bassin. Il a quand même participé au relais médaillé de bronze, le relais 4 nages. Oui, c'est dommage pour Hugues, parce qu'il était venu ici avec de grosses ambitions, après une superbe saison d'hiver, et notamment des records de France battus à la Coupe du Monde à Stockholm. Lui qui avait breaké pendant presque 2 mois après les championnats d'Europe, après les championnats du monde de Rome, et qui s'était depuis entraîné très dur pour revenir au meilleur niveau. Daniel Gurta, le Hongrois, à la 4, lui était devenu champion d'Europe en 2006 à Helsinki, et il avait réussi de doubler en 2007 à Debrecen. Gurta, il a seulement 20 ans, hein, l'Elindo numéro 4, c'est un jeune Hongrois qui avait créé la surprise pour la première fois aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Il avait 15 ans, il avait terminé deuxième du 200 brasses, c'était sa première grande compétition internationale. Et ensuite, il a vraiment marqué le pas pendant presque 3 ans, jusqu'au championnat du monde de Melbourne en 2007, où on l'a vu réapparaître, étant en finale du 200 brasses. Mais il est vraiment revenu au sommet à l'occasion des championnats du monde l'an passé à Rome, où il a remporté, vous l'avez dit, le 200 brasses. Et il a battu ici à Istanbul à 2 reprises le record d'Europe du 100 brasses, avant de s'incliner en finale face au Néerlandais Robin van Hagele, qui avait battu à son tour le record d'Europe. Ça part très vite pour Gurta, à la 68e d'avance sur les temps de passage du record du monde qui appartient à l'Australien Springer. Un record établi le 10 août 2009 à Hobart. Ouais, les Australiens qui ont profité de leur lancée sur les championnats juste après les championnats du monde pour faire une compétition en petit bassin. Et réaliser d'excellents chronos. On les a vus aussi pendant les meetings de Coupe du Monde cet hiver. Ce sont des nageurs, les nageurs australiens, on le sait, ils n'ont pas de compétition importante l'été prochain, donc ils ont vraiment tout misé sur cette saison d'hiver en réalisant des super chronos en petit bain. Très impressionnant, là, Daniel Gurta. 1 seconde 25 centièmes d'avance sur les temps de passage du record du monde. Gurta encadré par les deux Russes, Cherbakov à la ligne 2 numéro 3 et Falco à la 5. Attention, Falco là est en train de revenir. Toujours l'avantage pour le Hongrois Gurta. Et toujours en avance sur les temps de passage du record du monde. 2 minutes 1 seconde 98 ouais, centièmes. Il va le battre. Il va l'exploser, ce record du monde. Quelle course! Le chrono, 2 minutes 67 centièmes pour Gurta, record du monde amélioré. Il s'impose devant Falco et devant Cherbakov, les deux Russes. C'est le 11e record du monde battu à l'occasion de ses 13e championnats d'Europe disputés à Istanbul. Le 7e dans une course individuelle. Impressionnant, hein, Daniel Gurta. Ouais, c'est beau de voir ce garçon qui a justement galéré, on l'a dit, après son arrivée au plus haut niveau. Il est arrivé très très jeune, à 15 ans, et il a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Pendant 3 ans, il n'arrivait plus à réaliser ses meilleures performances. Et le voilà maintenant complètement revenu à quelques mois hein, des championnats d'Europe qui vont avoir lieu chez lui à Budapest. Ça promet hein, pour cette équipe hongroise l'été prochain. Lors des championnats d'Europe en grand bassin, l'Europe à vivre bien sûr sur Eurosport. On suivra d'ailleurs à Saint-Raphaël au mois d'avril le championnat de France qualificatif pour ces Europes. Record du monde pour le Hongrois Daniel Gurta, vainqueur du 200 brasses.